Aujourd'hui, recette familiale par excellence, le hachis parmentier. Pour cette recette, les deux ingrédients principaux, 600 g de viande de bœuf hachée et 1 kg de pommes de terre à purée. On aura aussi besoin de 2 oignons, du persil, de l'huile d'olive, une boîte de concentré de tomates, 40 cl de lait, et pour plus de gourmandise, de la chapelure, du gruyère râpé et l'assaisonnement, noix de muscade, sel et poivre. Pour commencer, nous allons éplucher, laver et couper les pommes de terre. Ensuite, on va faire bouillir de l'eau dans une casserole. On ajoute 2 ou 3 pincées de gros sel et on met nos pommes de terre coupées en morceaux. Alors, l'intérêt de couper nos pommes de terre avant de les cuire, c'est simplement que du coup, elles vont pouvoir cuire plus vite. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus facile pour les écraser en purée après. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos oignons. Donc, on va les émincer assez grossièrement. Et ensuite, on va les faire revenir dans une poêle avec l'huile d'olive. On rajoute ensuite notre persil finement haché pour donner de la couleur et du goût. On ajoute ensuite nos 600 g de viande. On ajoute donc le concentré de tomate. Alors, si on rajoute du concentré de tomate dans notre hachis parmentier, c'est simplement parce que ça va rajouter du goût à la viande et ça va vraiment vous donner un petit parfum de tomate, un petit art de Provence. Ensuite, on assaisonne, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va pouvoir la disposer au fond d'un plat à gratin. C'est le moment de préchauffer le four thermostat 7, 210 degrés. Alors, on va vérifier si nos pommes de terre sont cuites. Rien de plus simple, on va simplement planter un couteau dedans. Et ça doit rester planté, il n'y a pas de souci, il faut que ça traverse facilement. Alors, on les écrase, on rajoute ensuite le lait. Le lait va en fait permettre de lier la purée, vous allez voir, ce sera délicieux. On ajoute ensuite du sel et du poivre, et un tout petit peu de noix de muscade. On étale notre purée sur la couche de viande. Nous, ici, on a décidé de rajouter un petit peu de persil pour donner de la couleur. Et ensuite, la touche finale. Le gruyère râpé, la chapelure, vous allez avoir un beau gratin bien gratiné sur le dessus, vous allez vous régaler. Et c'est parti pour une demi-heure de cuisson. Voilà, votre hachis parmentier est maintenant prêt, vous allez vous régaler, c'est certain. Accompagnez-le d'une petite salade verte et profitez bien.